Cześć! Cyril mnie filmuje, a jesteśmy w Hendaye. Jest przepiękne miasto właśnie przy granicy hiszpańsko-francuskiej. I co jest zadziwiające, że to jest grudzień. Pełne słońce. Ja jestem na Wosaka na plaży i mam wrażenie, jakby właśnie było cały czas lato. Cudownie. Alors l'architecture et la vie. Toujours pas. Architecture. Je préfère filmer les jeunes filles là. Alors. Non, l'architecture est toujours magnifique, hein. On sait très bien. Carolina. Ah, la dernière, on a les tu sais qui c'est Père Noël de Basque, qui s'appelait Olenzero. Olenzero. Olenzero, ouais, parce que vous connaissez le Père Noël, mais au Pays Basque, eux, ils ont leur Père Noël. Il est trop beau. Ouais, c'est un Basque. C'est un gros garçon. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, hat pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born. Pays Basque, elle est connue de quoi? De faire du surf, voilà, et ça c'est un exemple. Faire du surf, moi j'ai jamais fait, je sais pas, peut-être c'est agréable. Je voudrais bien essayer un jour, voilà. Toi Cyril? Non, c'est trop quatre gueules, vraiment. Ah, d'accord. Non, j'ai essayé il y a longtemps, c'est pour vraiment être bon, hein, surtout ici. Alors, chez nous sommes au château d'Abadie. Il a été surtout connu pour l'architecte Viollet-le-Duc, qui a construit la fameuse flèche de Notre-Dame, qui malheureusement est tombée dans l'incendie. Architecte du 19e siècle, extrêmement connu et talentueux. On a vu un petit peu intérieur sur le site. Mais on ne peut pas prendre de photos, donc malheureusement. Oui, on ne peut pas filmer ou photographier l'intérieur, qui est absolument délirant, somptueux, magnifique. Malheureusement, c'est interdit de prendre des photos. Sur leur site internet, il y a une visite virtuelle, ça vous donne une idée, vous pouvez aller voir. C'est tellement beau. Ouais, c'est juste éclectique, mais néo-baroque. C'est tellement beau. Ouais, incroyable, incroyable. Les meubles, les couleurs, la peinture, la déco, juste somptueux. C'est pour ça qu'on est venu le visiter, toujours à Hendaye. Et on a l'impression que quand même l'espagnol, pour eux, le mètre carré ça compte. Hein. Ça veut dire que les bâtiments ils sont vraiment bien bien chargés, ils sont partout, ils sont vraiment très c'est plus dense. Ouais, c'est plus dense. Si on regarde, c'est marrant parce que là il y a la France, là c'est la France, et là c'est l'Espagne. Ouais. Et c'est beaucoup plus, chargé. L'architecture est plus dense, il y a des immeubles. Ils construisent plus, on dirait. Mais mon amour reste toujours pour la France. Je m'en fous d'Espagne. Tu t'en fous de l'Espagne? Ah oui, mais carrément. Hein.
Ça mange mal. Bon, on est déjà allé en Espagne. Ah, bof, tout mange mal. Tu manges mal en Espagne? Ah oui, non. Non, t'exagères. Avec les pinchos et pinchos. Rien du tout. T'as les sandwichs avec de rien du tout. Non, la France. Carrément, je m'en fous d'Espagne. En plus, mon ex, je me rappelle très bien, il m'a trompé avec son ex à Barcelone. Donc, bonjour souvenir. Hein. Non, non, merci. Ah. Non, je suis traumatisée par l'Espagne. T'es bête. Moi, j'ai une théorie, puisque tu dis que t'aimes pas l'Espagne. Regarde, il y a plein d'immeubles derrière nous. Mais tu sais pourquoi il y a beaucoup d'immeubles comme ça? Non. Parce que regarde, ils regardent la France. Ils sont tous pointés vers la France, regarde. Donc, ils regardent la France, en fait. Ah, oui. C'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles. Ah oui, d'accord. La ah, France oui. est tellement belle, ils en ont construit plein pour voir la France. Non, oui, la théorie, oui, ça tient la route, oui, effectivement. Hydrothérapie. Thalasso. Thalasso pour les pauvres. Quoi? Oh là là, c'est de l'eau, hein? Ouais, mais c'est... Alors, si tu veux me montrer. Ah, les photos que tu prends. Ouais. D'accord. Où vient le Kraj Basque? Où vient le Kraj Basque? J'arrive pas à dire en polonais. Subskrybujcie nasz kanał. To może lepiej by było, jeśli powiem po francusku. Abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, c'est bon.